épisode 3, je m'y repère. Et bonjour, et bonsoir, bienvenue sur ce nouveau épisode d'Amical Fugitive, épisode numéro 3. On va jouer et on va essayer d'avancer un maximum dans le scénario, histoire qu'on débloque, si possible, une nouvelle partie de la ville. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est au niveau de la progression totale. Anna Cambrioleuse, par exemple celle-ci là, Anna, on l'a pas encore rencontrée. Bon, c'est bien, on sait qu'elle s'appelle Anna, on voit son physique et tout, mais on voit son caractère, le caractère design. Ouais, du coup, je fais la manette. Hein. Donc, dernière fois, on était bien en robe. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé que ça pour fuir les flics. On va ranger la quête 12 par contre, hein, on va éviter de se faire griller dès le début. Bon, j'ai 2 points de compétence à mettre. Et je crois qu'on va essayer de les cumuler. Non. Tiens, d'ailleurs, on va. Oh, voilà. Je vais directement acheter ça pour avoir un plus gros sac. Une plus grosse taille d'inventaire. Du coup, je vais pouvoir ajouter plus de. Ouais, j'ai 30 kilos là. Ok, en fait, ça rajoute du poids. Non, on a plus de poids à porter, je pense, c'est ça. Je vais pas faire attention, mais à mon avis, ouais, on est passé de 25 à 30 kilos, je crois. C'est ça. Nickel. On va pouvoir transporter plus de choses. Ça, c'est quoi ça? Merde, j'ai lâché. Voilà, c'est. Qu'est-ce que c'est ça? On peut pas l'observer ça? Les souvenirs personnels de quelqu'un. Ah! Ouais, c'est un peu dégueu ça ce que j'ai fait. Piquer les souvenirs de quelqu'un, c'est pas ouf. Ouais, je sais même plus où j'ai pris ça. Parce qu'on est un criminel certes, mais avec quand même un code d'honneur. Sens moral. Je sais pas si vous allez regarder Flash. Comme le mec qui joue Michael Scofield là, en Prison Break. Ça peut être un salopard, il a quand même un code d'honneur. Puis sur le. En DC Legend, ça va, il se rattrape. J'aime bien les séries de. Hero. I want to be a hero. Bon, du coup, donc là, il nous faut rendre visible le contact pour l'émission de téléphone. Ça va pas nous servir pour contacter les contacts. Et on a un dé qui a 1 km en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de choper une bagnole sans se faire griller. Après, avec les fractions, je peux pas. Faudrait qu'une voiture qui soit ouverte sans. Ouais, c'est tout verrouillé en fait. Hein. Quel dé choisi. Hein. Ah, il y a une alarme. Ça sera, ah, je me suis fait repérer. Encore repéré. Ah, par contre, là, c'est pas moi. Le corps, ça me dit rien. Peut-être la fois d'avant, mais. Je sais pas souvenir d'avoir buté quelqu'un. Ça sentait le. Ça puait l'explosion. On va tuer avec mon lit là. Hop là. Hier on a fait du flat out. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a les VOD qui vont pas tarder à sortir. Sûrement en week-end. Demain, je vais m'en occuper justement demain matin. Demain matin, je vous occupe des VOD. Généralement, le matin, le week-end, surtout le dimanche. Le point sur les vidéos sorties, tout ça. J'actualise un petit peu le. Enfin, j'actualise au maximum le Discord. Et le flic, ouais. Ils sont affichés, mais ils ne recherchent plus là. Par contre, il nous faudrait un nouveau vêtement. Ça, c'est bien de se travailler en robe, mais. Je suis pas un travesti, moi. Ah, les fringues. Hop. Voilà. Brick. Pas grand chose, je vais prendre une brique. Hein. Pas casser la vitre comme ça. On est obligé de faire l'action de casser la brique. Casser la vitre. Hop. On va fouiller un peu. Alerte. Ah, il y a une alarme. Apparemment.
Et ça vibre. Qu'est-ce qu'on a? De l'argent, de l'argenterie. Parce qu'on est quand même un cambrioleur. C'est notre spécialité. Ah, les flics. Attends, état d'arrestation. Freeze! Attends, on n'est pas vraiment en état. On peut quand même s'échapper, mais. On nous shoot dessus, quoi. Là, je pourrais faire le fou, sortir un gun. Bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. Si on peut s'échapper sans se faire buter. Après, il n'y a pas de système d'étoiles, j'ai l'impression. Enfin, ah si, 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 sur notre perso. En tout notre personnage. Caractère au niveau d'un minimap là. Hop, on prend le buggy, on va s'éloigner un peu. Un petit doigt arrêté, c'est un qui arrive. Alors on rend une visite à Dwayne, tiens. Qu'est-ce qu'il nous veut? Salut Dwayne. Dwayne comme Dwayne dans Fear the Walking Dead. Ah non, c'est Anna. Tu as mis du temps. Yes, qu'est-ce que tu fous ici? Où est Dwayne? Ah, c'est la femme de Dwayne à mon avis, non? T'en fais pas, je suis juste là pour parler, je t'ai surveillé, Will. Tu as fait pour moi ou quoi? Je pensais que tu pourrais te décrasser à l'occasion. Et c'est peut-être ce qu'il te faut. Tu veux te blanchir, n'est-ce pas? Tu es allé pour me venger, ça ne te regarde pas. Si je peux, oui. Attends, on va dire plutôt ça. Je suis en train de préparer un plan. J'essaie de faire profil bas d'ici là. Ah vraiment? Tu y as bien le bon jeudi. Tu te mets les ennemis de Duenado. Tu éclates ta bagnole de flic. C'est pas faire profil bas ça. Le nom d'un homme est quelque chose de personnel. Je fais ce que j'ai à faire. Le nom d'un homme est quelque chose de personnel. Super convaincu la traduction là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas super convaincu. J'ai fait plein de conneries à l'époque, mais tuer mon père. Non, non, je n'aurais jamais pu faire ça. Je vais trouver l'homme qui a tué mon père et le faire payer. Ce fils de pute. Ce pourceau. Ce vilain. Je peux t'aider à découvrir qui est derrière tout ça. Il y a des corps partout et la police fainéant. J'ai mis en run les mauvaises personnes, Will. Et si je peux te trouver. Si je peux te trouver aussi facilement, qu'est-ce qui te fait penser qu'ils ne peuvent pas? Viens chez moi quand tu seras prêt à être sérieux. Voici ma carte. Mais elle. C'est qui en fait? J'aurais aimé une fille comme ça à l'époque. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre cette leçon à la dure. C'est qui? C'est la copine de... C'est pas notre copine ça. Si on parlait d'Amy, ça parlait de Amy. Une certaine Amy dans le tutoriel. On va re-rentrer du coup, hein, ici. Ah, mais du coup, il est là, lui. Alors qu'il était pas tard. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Il s'avère que les McCoy utilisent des camions postaux pour faire passer en contrebande toutes sortes de saloperies dans la ville. J'ai entendu parler de leur dernière livraison et elle coûterait assez cher si on allait s'en occuper. Braco de camion de postal, c'est un délit fédéral. Ha ha. Parce que le camion de postal, poste fédéral. Humour. Humour de braqueur, bon. Qu'est-ce qu'il y a de beau? J'ai peut-être allumé parce que c'est vrai que ça fait un peu sombre. Je viens de me rendre compte que la caméra est assez. Bon après regardez. Petit tips, ça c'est peut-être une série, tu vois. Je sais pas si vous reconnaissez le personnage du t-shirt là. Et voilà, c'est peut-être une série qu'on fera en février ou en mars. Hein. Merci Jay d'ailleurs hein, pour m'avoir inspiré sur les Assassin's Creed. Il a fini le tout premier, mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est faux. Enfin, on le fera, hein, les Assassins, mais en priorité, on fera les Far Cry. Parce que lui, comme ça, vu qu'il fait les Assassin's Creed, moi les Far Cry, lui il stream le matin, il dort l'après-midi et il reprend le soir. Moi, je suis plutôt d'après-midi du soir. Donc le matin, je pourrais le host. Comme ça, vous verrez du Assassin's Creed. L'après-midi, je ferai du Far Cry.
Et le soir, vous pourrez revoir soit moi, soit lui. Et il y a aussi R6 qui fait une vidéo, c'est petit trio de BGM. Voilà, c'était juste l'interlude comme ça. C'est ce qu'il y a de beau. Ils tiennent le vol du camion postal, un camion fédéraux, 100 000 euros, mais les Macron le font. Pas besoin de faire ce. Ah, ok, je vois le genre. Il est malin le petit. Ouais, il est. En fait, ils peuvent pas signaler le camion parce que eux, ils utilisent le camion postaux pour transporter de la drogue. Il y a saloperie du même genre. Et du coup, ils peuvent pas. Ok, ils veulent pas attirer l'attention, ils pourront rien faire. Fous-le quelque part où ils verront, comme dans la rivière. Donc, on doit voler un camion, une camionnette de poste, la jeter dans la rivière. Et on a 150 $ et un point d'expérience en plus. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme avec la bagnolage des flics, on va prendre la dépanneuse. Hop, et on va aller jouer là. Camion posto. C'est bien parce que là, on a eu un petit indice. Je sais pas si vous avez vu, hein, on a eu un camion posto, enfin, une fourgonnette. Qui nous donne quand même un petit tip de savoir ce que c'est. Ah, puis on peut. Ok, elle circule, ok. Elle est en mouvement, elle n'est pas stationnée. De faire à Fast and Furious. L'intro du 5, je crois, du 4, bon, du 5. Ouais, bon, je passe cette vitesse là. Hop là! Allez, hop. Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Ah putain! Bonjour les flics, ça va? Vous allez bien? C'est de remarquer ce camion là, il a du mal. Vous en arrivez, hein, c'est ça. Ah purée, on a réussi à s'échapper. Reste là, toi. Vas-y, va dans la rivière, là. Va dans la rivière, va dans la rivière, va dans la rivière, j'ai dit. Putain, il veut pas. On est bloqué par le rail. Ah, les flics. Oui. Ah, c'est moi qui recherche. Regardez cette voiture. Marqué. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Je dis hop là. Le son est peut-être un peu fort, non? Par rapport à ma voix. Ma voix est peut-être un peu forte, je sais pas. Ouais, j'ai décaliné une bagnole. Échec de la mission. Le courrier ne doit pas. Ah, ok. Faut essayer. Laisser le son, ouais. Un peu fort je trouve. J'ai augmenté le son de mon casque hier, merci à la personne qui m'a fait réagir. Ah, et les sons sont à 80% aussi, hein. C'est peut-être pour ça que c'est fort. Voilà, ce sera un petit peu mieux je pense pour vous, et surtout pour vous. Moi ça allait, mais pour vous, peut-être ce sera un peu plus agréable. Voilà, je me suis fait choper, je pense que j'ai, si j'ai quand même tout mon stuff. On va aller, avant de faire la mission, est-ce qu'il y a possibilité d'aller voir un prêteur sur gage pour vendre un peu tout mon merdier. Prêteur sur gage, c'est. Ok, c'est ça là. Hop, on peut mettre un point de repère, yep. On va juste aller voir le prêteur sur gage pour revendre tout mon merdier là que j'ai en stock. Après, voici, il y a le camion postal qu'on peut choper. C'est pas la même occasion. Hein. On va pas se priver. Qui arrive à mon port. Allez, allez, plus vite. Merde. Merde, 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 merde. Nice. Bon. Arrêtez. Mort. Ça commence bien ce premier. La première mission là. Commence très bien. Je suis pas mute, hein. Faut que, je vérifie quand même. Normalement, je suis pas mute aussi là. Non, je suis pas mute. Ok. Hein, que je refasse pas comme j'ai fait hier avec Fat Out du Carnage. J'ai parlé pendant 30 minutes.
mute pour finalement me rendre compte que j'étais mute. Arrêtez-vous maintenant, stop. Don't move. Ah, pourquoi il n'y a plus de soin? On s'est déplacé. J'ai la mission. Ah putain, il doit pas. En fait, j'ai perdu de vue, c'est ça en fait. Dit que je l'ai. D'arriver à destination, mais en fait, je l'ai perdu de vue, c'est tout simplement ça. Elle est compliquée cette mission. Après, je tente avec la dépanneuse, mais je pourrais prendre une autre bagnole et le bourrer jusqu'à deux fois dans la rivière. Même. Non, je crois que si je vais dans l'eau, je meurs aussi. Je crois pas qu'ils savent. Je crois pas qu'ils sachent un VG, le. Pas ce qu'on dirige là. Bon, j'ai oublié son nom, je crois que c'est John. Non, mais Dwayne, non, je me chouette, il faut faire zéro un kill. C'est pas Dwayne, c'est pas. Ah, ça s'appelle Jones. Dwayne c'était son fils. Et quand on a Dwayne. Dwayne c'est le. Ouais, c'est le blanc bec, le redneck. Enfin, il a un redneck, mais c'est pas vraiment redneck, parce que red et neck, c'est les schneck. J'ai n'importe quoi. Hop. Allez là, putain. Allez avec quelqu'un. Dans la rivière. Je dois le foutre dans la rivière. Là. Ah, si je peux passer. Allez, Blue. Yes. Enf. Yes. 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 C'est pas grave. Pas trop RP, mais j'ai réussi quand même à le foutre dehors. Ah, il nage. Il est pas mort, c'est juste le camion qui est HS. Et c'est l'objectif. Hein. On va s'arrêter. On va manger un petit truc là. Pomme là, hop. Une carotte, voilà. Histoire de se remettre à plomb. Au niveau de la carte, ouais, on va aller là. C'est quoi ça? Prêt pour la parade. Ah, bon, ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est en argent. Dommage que c'est pas indiqué aussi quand on passe le curseur sur les. Ah, il y a un A. Anna, Dwayne. Non, c'est pas Dwayne, c'est Dwight. Ah, il y a un moment, je vais pas regarder. C'est pas Dwayne, c'est Dwight. Fear the Walking Dead. On dirait que je fais de la pub pour MC, mais non. J'ai envie de remater la dernière saison. Je suis plus hype par Fear the Walking Dead que Walking Dead, la série mère qui avec les récents départs là, enfin les récents, peut-être deux ans maintenant, hein. Il n'y a plus Rick, oh, l'année dernière, il y a même depuis Carl Junior, Carl Junior mais non. Bienvenue chez Reese, souhaitage sur gage, j'offre des meilleurs prix. Ah oui, on peut vendre nos trucs là, c'est pas pour les acheter. Hein. Hop, on vend tout, le monde vend tout, et donc là on a pratiquement 3000$. C'est nice. Plutôt nice. On a un maillet là. Maillet, c'est poubelle. Genre elle c'est... Ok. C'est quoi? Ah, on peut. C'est pas mal ça. On peut chouer le simulateur. Échouer le distributeur de billets. Hop. Et après, à mon avis, on aura des skills pour pouvoir l'ouvrir. De billets, hop, on va la chourer, on va essayer de
là, genre, je sais pas, il y a des flics partout un peu. On va se mettre ici, hop. Au pied de biche. Money, money. Là, j'aime bien l'ambiance hein, du jeu. Comment on vise déjà? Je crois pas qu'on puisse viser ici. Si, merde. C'est ce que je veux faire, mais bon. C'est dur de viser par contre. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. 5 étoiles. Là, je suis recherché, mais bien recherché, hein. On va se faire oublier un peu, hein. Hop, on va se faire oublier. On va hop, se soigner. Tac. J'ai un point de skill. Ouais, je peux acheter que ça. Peut-être qu'on se mode d'endurance. Bah oui, hein, de toute façon. On aura bien besoin à un moment donné, donc autant le lancer maintenant. Ouais, j'aurais pu économiser, certes, mais. De toute façon, on va en gagner pas mal, je pense, ces points de skill. Hein. Entre les missions, les activités annexes et tout ça. Bon, du coup, on a réussi quand même, après 3 tentatives, à lancer le commande postal, pardon. Je suis toujours recherché. Ah, j'ai perdu une étoile déjà, c'est bien. On est passé à 4. Allez, on court, 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 hop. Tenter toutes les combinaisons les plus simples. Hein. Sorti en 2016, 18, 19. Je pense qu'il va falloir braquer les mecs. Bonjour. Bah, c'est pareil, parce que effectivement, on va pas tarder à arriver, surtout que bah, c'est bien, j'ai pas de 2 étoiles quand même. Bon, avec ces conneries, mais il y a des flics partout. Hein. Étranger, bienvenue chasseur, puis-je vous aider? Oui. En fait, on va te braquer. Tarif est effrayé. C'est le propriétaire, ok.
m'a vu, il m'a vu. Stop. Pas rentrer dans la grange. Ah, chaque fois je fais B, il faut pas, c'est juste A pour sauter. Freeze, du coup. Ouais, cercle, c'est pas super efficace. C'est un 6, je crois. La corde, vas-y. Bon, bah, ah, j'ai plus de place. La corde, c'est pas mal parce que c'est plus de possibilité de appréhender du coup les gens. Mais c'est lourd. Donc, on va peut-être en lâcher un ou deux. Voilà, deux cordes. Ah, j'ai tout lâché là. Plus de portes que cette carte, c'est pas mal ça. On peut crocheter une porte. Ouais, c'est Civ Simulator, mais en mieux. Hein. Beaucoup mieux. Je sais pas si vous avez joué à Civ Simulator. Enfin, moi j'ai vu des vidéos de Bob Lennon. C'est pas mal, mais Bob Lennon est fantasme surtout. Mais c'est pas mal là. Verrouiller, préparer faction. Ah, on peut crocheter aussi les véhicules. Pas mal ça. Hop. On va hop s'installer là, on va aller voir Twin. Continue l'émission hein. On enchaîne, tu te souviens du mon vieux pote Walton. Walton. Il était quarterback dans une équipe à l'université. Le nom me dit quelque chose, attends. C'est pas le gars qui t'a rasé les sourcils l'autre fois. Ah, c'est bien lui. Eh bien, c'est son anniversaire très bientôt, et j'ai une super idée de cadeau. D'ingence, je ne suis pas sûr d'aimer de ce rire, ni ce visage, ni ce sourire. Walton et moi, ça remonte à loin, chaque année on fait un truc comme ça. Vraiment, on se bat contre les McCoy et soudain tu veux faire le pitre avec pour la traite. C'est exactement pourquoi j'ai besoin de ça. Will, même les hors-la-loi doivent se fendre la peau. Ah, ok pote en fait. Je vais faire avec, hein. Honnêtement, après la semaine que j'ai passée, ouais, ça a l'air d'être un bon changement de rythme. Il y a un lit. Walton est un nouveau camion, ça fait résister sa joie, il a même fait peindre aux anciennes couleurs de l'équipe. Trouve-le et roule-le, ça va l'énerver à mort. Ah ouais. Et comme ça en fait. Il va faire chier son pote. C'est pas vraiment son pote. Là, je suis dans une fourgonnette pour pédobière. J'aime pas trop hein, ce genre de fourgonnette là en vrai. Si jamais je vais au State un jour, je me méfie. Hein. Surtout dans les films, la série, hein, c'est toujours un mec avec une fourgonnette comme ça qui est louche. Par contre, elle avance pas. Hein. T'as de boule machin. Bon. J'ai envie de faire un petit wakou quand même. S'allumer. Il y a de la lumière. Il y a des gens. Occupé, ok. J'ai toutes les fenêtres, hein.
Ah merde. Fuck. J'ai pété petite biche. Oula, what the fuck. J'ai juste ouvert la poubelle, ok. Souci de collision là. Je vais shooter dans la poubelle pour voir ce qu'il y a dedans là. Ça se trouve, il y a des outils. Genre, je sais pas, un couteau. Un truc pointu pour crocheter, c'est facile. Hein. Quand il chiotte là, qu'est-ce que tu fais? J'avais juste envie de chier. Ah, c'est un abri des jardins, c'est pas des chiottes. Personne ne vous dit. Papier, là, t'es fait à la main. Ah ah, intéressant, ça c'est un code de site anti-atomique ça. J'ai plus de pied à truc à biche. Ouais. Pied à biche. Pied à. Comment on appelle ça? Bref. Hop. Les flics qui vont arriver là. Elles sont pas contents. Pied de biche. Pied à biche. Moi, je dis à biche. Pied de biche dessous. Il y a un flic qui vient d'entrer là. Puis il y a un flic rentrer dans la baraque. On va se barrer. Hop. On va changer d'étoile, donc ça me sera clean. La fumée. Il y a de la fumée, c'est qu'il y a quelqu'un peut-être, hein. Donc on va se méfier. On va y aller avec comme ça. Tac. Juste un clé de ok. Attaquer, contenir, puis corde, tac. De la baraque hein. Ouais, je sais pas si une fois qu'on a fouillé la baraque une fois on revient et on a déjà tout vu. Ouais, un truc balancé, un peu de la merde là. On va se barrer par où on est venu hein. Hop. Oh, l'autre fenêtre. Tac. Et puis qu'arrive ah, les murs sauvages. Ouais, on peut découvrir des murs. Non mais ils sont affichés, enfin, ils sont visés. Une brique dans une baie sauvage, on va pas trop non plus s'attarder. Allez, on va continuer l'aventure, surtout que là ça fait bientôt une heure. Ouais. Là, c'est bientôt 3 heures. D'ailleurs, j'ai prévu de faire du Forza, donc pas trop tarder non plus. Mais American Fugitive, voilà. Enfin, je pense que vous allez bientôt voir pas mal d'épisodes sortir pour ceux qui suivent la VOD. Avant le mois de février 2020, le 31 là, ouais, sûrement la semaine prochaine il y aura pas mal d'épisodes qui vont sortir. On est à l'épisode 3, je pense que 4, 5, 6, peut-être faire 6 épisodes même. On va doser le jeu la semaine prochaine, j'ai bien envie de bien progresser dessus. Même si en parlait, j'ai envie de terminer aussi les explications qui sont déjà en cours. Que je finisse, que je commence quoi. Voilà. Bon, je pense que c'est bien foutu le jeu. Hein. Ah, par contre, il n'y a pas de bateau. Est-ce qu'on meurt si on va dans l'eau? Non, on peut nager. Ça, c'est bien. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Parce que dans GTA, à partir de San Andreas, on peut nager. Parce qu'avant. Ah. Allô? Je suis noyé. T'as quand même de la stamina, ok. Ok.
quand même de la stamina avant. C'est genre dans la casque qui disent pas ça. Tout est vous changé, votre objectif est-il modifié. Tu te souviens de mon vieux pote? Non, tout passé, oui. On va reprendre quand même. Hein. On peut changer de mission, c'est-à-dire qu'on peut cumuler les missions. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire de suivre la trame principale, on peut changer. Ou je sais pas, peut-être. On a le choix, on est libre. C'est bien. On peut faire ce qu'on veut. Franchement, le jeu... est énorme. Hein. Il coûte 20€ sur Steam. Sur Instant Gaming, il est moins cher, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à utiliser mon lien affilié en bas. Dans la partie présentation sur Twitch, sinon dans les descriptions sur YouTube. Voilà, ça m'aide à financer. Si jamais vous achetez avec ce lien là, je reçois 3% plus 1% si vous êtes comment dire, parrain, enfin non, pas, si je vous parraine. Donc faut bien stipuler que voilà, c'est via mon lien que vous avez acheté le jeu. Bon, j'ai 4% sur les revenus générés par votre achat. C'est pas énorme pour moi, mais pour voilà, pour vous ça change pas grand chose au prix. Hein. C'est pas un ajout de 4%. Bien au contraire, si jamais il y a possibilité que je puisse avoir des réductions sur les jeux, j'en ferai aussi profiter ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer. Donc ceux qui ont les moyens, bah, voilà, peuvent s'acheter les jeux moins chers sur Instant Gaming. C'est du marché gris, hein, c'est pas du marché, marché noir. C'est pas illégal. C'est pas illégal, donc c'est légal pour moi, c'est égal pour vous. Attention, en plus il n'y a pas que sur PC, il y a Xbox et PS4, il y a Nintendo, je crois que c'est ça. Bah, ça fait déjà tous les trucs là, tac. Ok, il y a 15 et un bureau. On va fouiller les bureaux parce que je pense qu'on va être pas grand chose. Il y a un peu neuf. Voilà. Hop, on va fouiller l'autre bureau. Le couloir, je pense pas que ça soit super intéressant. Ensuite, pour la casse. Ah, ça j'ai déjà. Close d'oreille, hop, on se barre. Tac. Bon, je vais faire la mission aussi à un moment donné. Hein. Ah, ils savent pas à quoi je ressemble. Bien, c'est le. Ils savent qu'il y a eu un cambriolage, mais ils savent pas qui je suis. À quoi je ressemble, qu'est-ce que je porte comme vêtements, donc je suis tranquille. Marche arrière, hein. Puis ils sont pas les couilles. Bah, je suis sur ma voie, hein. Rouler en marche arrière, c'est pas bien grave. Hein. Donc, je suis sur la voie, hop, je dépasse. Bon, certes, c'était. Quoique, je sais même pas si aux États-Unis il y a des lignes continues. Ah, là, le pick-up. Et c'est le camion. Ok. Faut rentrer dedans. Eh, c'est mon camion. Pas mon camion. Y repeindre, hop, en rose, impeccable. C'est là l'atelier de peinture et de fixe, ok. On va savoir. Après, je crois qu'on a un skill qui permet de réparer nous-mêmes le véhicule pour un moindre frais. Mais il est cher en termes de points et en termes de thunes. Donc, pour l'instant, on est à zéro. Donc, bon, c'est pas pour l'instant. On va essayer de cumuler les points là, je vais limiter dans. Je vais dépenser à chaque fois. Après, je suis parti par 3 000 $.
Fermer son camion. On travaille, je suis au téléphone avec Walton là. Il la surveille de l'autre côté de la roue. Haha, t'aimes ta nouvelle voiture, Walton? Ouais. Après, il est où là? Ah, c'est un Rusketti ça. On va y aller. Oh, j'ai envie de s'autoriser aux States, hein. C'est pas tabou. Hop. Qu'est-ce que ce sera? Dans la boutique. Attends, quoi? Tu n'as jamais été aussi beau. Je croyais que tu avais du goût, Walton. Ah, il est toujours en train de. Au téléphone avec le mec. Ah, mais moi je. Je voulais voir les filles, moi. M'en fous d'acheter de la bouffe. Allez, bon. Toujours pas de bateau, hein. Ça, c'est une nouvelle feature, hein. Développeur. If some developer looks the VOD, maybe add some boats on the lake. The boats of on the lake on the on the rivers, fleuve. We have water, so add boats. Oh, maybe boats and maybe helicopter. Plane. Mais souffle assez vite quand même, hein. Y a pas moyen de. Non. On va essayer d'augmenter quand même le sprint, hein, parce que c'est quand même assez utile. Je suis généralement souvent à pied à me. Je sais pas sur moi en train de. Inventer des champis là. On va aller chercher les champis, c'est pas intéressant ça. Bon, je l'ai deux fois. Hein. Non, enfin, je l'ai vu une fois ça. Puis le ferraille de cache, case de Wayne, on va pouvoir jeter un. Le téléphone portable, on va l'utiliser. On va voir si on peut pas se prendre une petite bagnole là. Je suis votre Jefferson. Vous avez reçu votre Jefferson. C'est pas la première fois que je commande une bagnole, hein. J'ai fait ça, hop, ouais. Après, on n'a pas de garage, on n'a pas de lieu pour stocker notre véhicule, hein, sur la map. On a un truc là, ici. Ça c'est le vendre, ça c'est réparation. Carrossier, concessionnaire automobile. Je peux pas sur combien. Non. Mission, ok. Pour l'instant, on n'a pas de chez soi. Après, on est fugitif, donc bon. Autant rester sans domicile fixe pour l'instant. Hein. Il est temps de nous faire remarquer. D'ailleurs, en parlant de remarquage, on va hop, faire ça. Défi là. Notre gouvernement nous envoie tout ce qu'il a. Je parle des fédéraux et de l'armée. Donne-leur tout ce que tu as. 75 000 points pour avoir 500 $. Ah ouais. Parti pour faire le bordel, hein. Je peux pas avoir les hippos. Tank. Ah oui, il envoie tout ce qu'il a, vraiment tout ce qu'il a. J'ai bien fini, hein, c'est super. Machine gun. Ah bah, il me tire pas dessus, ça va. Ce sera plus simple. Hein.
Dommage que j'ai pas de vrai gun. Hein. Hop. Faudrait que j'en récupère un sur eux. Allez, boum. Il y a le concessionnaire pour faire max points là. Mais bon, pour l'instant, ouais, non. Je suis même pas à 500 000, 50 000. Je suis trop gentil là pour l'instant. Ouais, 100 000. On va essayer. Hein. Okay. Allez, non, lève-toi, sinon je vais me faire shooter encore. Je crois que j'ai mis le temps en plus, non, on a eu le temps. Non, ouais. Non, c'était une impression. Le bronze, pas fameux, on va retenter. J'ai envie d'avoir l'argent quand même. Je fais ça et après on va sur Forza. Promis, promis, promis. Hop, je tiens mes promesses. Aïe aïe aïe. En fait, je tire dans le cul et c'est chaud. Bon, j'en veux, je balance trop. Ah yes, yes, yes. Un de moins. Allez là, bon, je vais faire des points vite. Hop. Ah, j'ai l'argent, mais je sais pas l'or. L'or, l'or, putain, je suis pas loin. Non, même pas, j'ai pas encore réussi à avoir l'argent. C'est chaud. Bon,
On tentera plus tard, je pense qu'il me faut des skills en fait. Il me faut des points de compétence pour pouvoir gérer tout ça. Genre le rechargement plus rapide. Je sais pas s'il y a. En fait, il n'y a pas non, il n'y a pas. La santé, peut-être. Endurance. Lentement la santé. On va prendre ça. Je peux récupérer la santé sans utiliser de consommables. Ça me libère de la place dans l'inventaire. Je peux du coup acheter plus de choses. Enfin, voler plus de choses de valeur pour les revendre. C'est l'investissement qui est bien là. Je vais conduire ça. Van, on peut pas faire de la revente de véhicule pour l'instant. Je crois que c'est Dwayne hein, qui normalement il doit. Dwayne. Si cette grange, on a toujours planqué la Vux, mais toujours pas y accéder ça. C'est une course que j'ai déjà faite, donc c'est pas la peine que je la refasse. Ouais, donc non, hein, j'ai l'impression que ça va. Je sais pas si on la détruisant, ça nous rapporte là-dessus. Pas sûr. Il va. Elle est juste un peu bloqué là. Allez. Voilà. Bon. Si je me débarrasse des carcasses, il est content ou pas? Ah, voiture compactée, 20$. Si, si, on gagne la thune. Bon, ça, c'est un petit boulot caché en fait. Bon, bah, si on peut avoir de la thune comme ça. Bah, ça me va. Hein. Routier. Ça, c'est un métier qui me plaise. Et petit, on va bien tenter là, faire routier. Du coup, celle-là fait chier. Ah purée. Ah faut jouer. Hein. Je vais avec la physique. Hop, ça remonte, tac, pousse-le. Allez. J'ai l'impression qu'une voiture, enfin deux voitures, ça lui va.
Ici, là, bien coincé. Alors, si on survit à celle-là, tac. On va me compacter celui-ci. Après, les trucs compactés, là, je sais pas trop ce qu'on peut en foutre, hein, mais. Je vais faire pour que la voiture pivote. Comme ça. Tac. Ça c'est compliqué hein. Après une fois qu'on aura le coup de main, pas de froid. Là surtout j'ai rien gagné en fait en détruisant les carcasses. J'ai vu la zone mais j'ai rien gagné. Allez bordel. Je peux faire ça pendant les heures moi. Jusqu'à ce que j'y arrive et puis je suis même prêt à me débarrasser de toutes les carcasses du truc. On va pas les blocs, je sais pas ce qu'on peut en foutre. Hop. Hop. La poubelle. Je vois la route. C'est le mec qui va. C'est pour chier, hop, chez les voisins. Hop, allez, tac. Chez le voisin, hop, sur la route, tac. Sur la voie publique, hein, les démerderons avec les employés municipaux, s'il y en a. Ça les gêne pas, hein. Bon, épisode chill hein, aujourd'hui. Mais bon, une fois que ça sera fait, hein, ça ne sera plus à faire. Je pense que ça va avoir comme main. Je gagnerai en faisant ça. Hein. Il n'y a pas de tunnel qui réapparaît, mais au moins ça libère la place. Si jamais je vais entreposer des véhicules pour ensuite les broyer. Est-ce que ça marche ça? Si. Bon, je vais broyer le mec avec, mais. Juste pour essayer. Oh, il est pas content là. Hop.
fois, les mains elles marchent pas. Les mains ne marchent pas. Ah, si je l'ai. Je vais. Allez. Le mec il se débat. Hein. Comme un insecte, là, il se débat. Hop. Bon, fait chier, hein. Il a gagné le droit de survivre quand même. Il se bat, donc. C'est pas non plus cruel enfin, de le laisser. Voilà. Tac. Ciao. Non, je suis pas non plus un psychopathe. Je vais buter tout le monde. Rassurez-vous, c'est juste un jeu vidéo. Comme les GTA, ça crée pas des monstres soifés de sang non plus. Ce n'est qu'un jeu. C'est différencier le réel du virtuel quand même, hein. On peut plus déconner. Je suis pas un de ces teubés là qui a un problème mental. À la naissance. C'est une maladie, hein, mais bon. Pas non plus que ça empiète sur les autres, hein. Un truc qui clignote là. Bon, toujours voilà. Hein. Les déchets chez les voisins sur les voies publiques. Hein, je veux dire, ceux qui en sont chargés. Moi, j'ai pas assez de dépanneuse, j'ai pas assez de bras là pour m'occuper de. Ah, ouais. L'entreprise, faut recruter des gens avec des dépanneuses pour balancer tout ça. Enfin, une entreprise de dépannage, tiens. Hop. Sur le toit de. Bon, ça commence à être libéré là. Parti sur totalement autre chose, hein, du coup, hein. En train de. Ouais. Cultif Simulator, carrossier Simulator. Non, c'est décharge Simulator, je sais pas. Je gère une décharge. Une casse auto. Hop, la casse. D'ailleurs, faudrait que je passe la casse un de ces jours, moi, pour choper des pièces pour une forme Mustang. La future Ford Mustang, je veux dire, hein. Pour l'instant j'en ai pas. Faut taper une petite Mustang là, ce serait bien. À l'ancienne. Une Mustang 65 ou 67 là. Avec des pièces modernes. Ah merde, j'étais prêt à la relancer dessus. Pas encore, tac. Workzone. Yes. Là, je fais le boulot d'une personne qui est censée faire ça à base, hein, je pense. Il n'a jamais fait, donc du coup. Hein, hop. Quitte à me faire chier, autant que ça soit utile à la société. Dans le jeu. Hop. Même si, bon, là. Moi, je montre que voilà, je suis en train de taffer, hein. Je taffe, ça se voit. Bon, j'espère qu'il y aura un don, hein, quelque chose, hein, pour me rémunérer là. Je fais pas ça gratuitement. Hein. Tout ma travail mérite salaire. Hein. Je suis aux States là. Bon, c'est un truc paumé aux States, mais je suis quand même aux States. Hein. Je suis pas sûr que je sois payé pour faire ça. Enfin, allez, hein. Je suis pas sûr. Hein. C'est pas du bénévole, mais bon. Tac. Ah, c'est repassé par là. Je suis par là, tant pis. Ça s'accumule. Après, est-ce que le jeu est tellement bien fait que ça sauvegarde et que ça reste indépendamment, enfin infiniment, tant que je m'en suis pas occupé de ça. Dans toute la zone du jeu. C'est pour ça qu'il y a une zone assez petite au final. Enfin, en tout cas au niveau de la map, après à traverser je sais pas combien de temps. Donc là je suis en train de faire un 360. Hop. Ah, je peux pas choper ça. Ah, par contre cela. Le camion je peux pas le choper non plus. Je peux pas choper le camion. Parce que l'ensemble routier là j'aurais pu le. Non.
aurait été magnifique hein, si on pouvait choper la caravane ou les conteneurs, mais c'est sûr que ça passe. Bon bah voilà, j'ai déjà clean cette zone. Ah, il marche arrière, il va bourrer là, non? Ah c'est parti là. Je sais pas qui c'est qui s'en est occupé ou ça débat peut-être. Le merdier est parti, tant mieux hein. Du coup si on peut choper des voitures et mettre, directement les mettre dans la casse, hein, si on veut. Bon, bah déjà voilà, ça fait une bonne zone tranquille. Bon, il y aura moins de cachettes là si jamais je me fais poursuivre par les keufs, mais au moins je peux entreposer des véhicules si je veux. Pour ensuite les détruire et récupérer un peu de thunes dessus. Nickel, nickel, hop. On va peut-être rentrer par là. Un truc à récupérer là. Je vais fouiller la caravane et il faut une pierre. J'ai pas envie d'utiliser mes outils là. Voilà, ça fait j'ai une clé de 12. Prochain pompe là. Hop. Tire la carabine. Fait comme les Texans, on tire partout, on s'en bat les couilles. Hop. Ah, les impacts. J'ai en feu la bagnole. La deux tirs carabine, ça y est. Plus. Le fusil. Ok. Ça c'est un eagle. Beaucoup de balles de ça. Je vais taper l'armurier. Yes, il me faut des balles de calibre SMG. Hop. 9 mm par avenue. Comme tu le souhaitais. Ah nice, un livrage de colis, je sais pas comment il apparaît. Hop. Ici une pelle. Ah il y a une voiture creusée. Ici une pelle. Je m'appelle pelle. Voiture militaire. Est-ce qu'on pourrait pas avoir le numéro aussi des. Je crois qu'on va faire un petit tour en ville aussi. Hein. Dans le prochain épisode bien sûr, parce que là on arrive quand même à une durée assez raisonnable je pense, pour même bien comme il faut hein. 1h30 de vidéo, là je suis à 1h40 de session, mais on a pris ouais, j'ai quand même pris 15-20 minutes hein, en début. Donc ouais, 1h10 c'est pas mal, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 4. Pas sûr qu'il soit aussi long, mais il y en aura 4, il y a le 4, 5, 6 qui vont arriver dans pas longtemps, donc ça va s'enchaîner assez vite. Des bisous, n'hésitez pas à follow, voilà, si ça vous intéresse de suivre notamment cette série ou d'autres jeux. Je fais pas mal de let's play, de toute façon vous pouvez checker la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne Twitch hein, les lives, hein, parce que c'est les deux là que j'ai tiré cette VOD, comme la plupart. Hein. Même s'il n'est pas exclu que je puisse faire des vidéos exclusivement pour YouTube, mais je suis sur Twitch à la base. Pas encore affilié, enfin pas encore partenaire, je suis affilié, donc pour l'instant j'ai pas de contrat avec Twitch, donc je peux aussi me permettre hein, si jamais de peut-être faire un live ou deux sur YouTube à l'occasion. Vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresserait de me voir sur YouTube. De temps en temps, voilà, moi, ça me. Faut juste que je paramètre. Hein. C'est pour ça. Et en plus ça me permettra de tester aussi. Ce que ça vaut sur YouTube, le live. Et pareil sur Mixer et autres plateformes, vous me dites hein, ce que vous préférez. Moi je suis open, même si bon là vous êtes sur YouTube, donc voilà, ce sera pour YouTube. Bref, moi je vous dis bonsoir, hein, bonjour, je sais pas à quel vous regardez cette DOD. Bonne nuit peut-être, bon appétit, puis des bisous, ciao, 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 ciao. C'était Diablax, n'hésitez pas à follow, c'est gratuit.